Bonjour à tous. Donc, je viens faire mon petit mea culpa concernant ce cylindre FAQ. En fait, sur la vidéo précédente, je n'avais projeté que le rotor avant, puisque ce cylindre possède deux rotors indépendants. Donc, a priori, sur le mien, il y a 5 goupilles dans le premier et 3 dans l'autre. Donc là, j'utilise un entraîneur beaucoup plus long qui va me permettre d'entraîner les deux rotors en même temps et donc de crocheter les 8 goupilles. Et c'est vrai que j'avais pas fait attention, hein, mais sur la première vidéo, en crochetant que le rotor avant, la partie arrière du cylindre ne tournait pas, hein. Et donc, c'était pas un vrai crochetage puisque la porte ne se serait pas ouverte. Voilà, donc là, l'entraîneur vient prendre les deux rotors et donc forcément, il n'y aura plus de problème. Bon, j'ai mis un petit scotch rouge à l'arrière, hein, pour qu'on voit bien que les deux rotors sont crochetés et que ça tourne. Voilà, donc, bah, comme d'habitude, hein, une petite bobine à passer. Voilà, j'ai perdu mon foucran. Voilà, c'est revenu. Il va me rester encore une bobine normalement. Tout a l'air bien en place. Donc on la cherche. Voilà, j'ai un petit retour. On la passe et ouverture. Et on voit que l'arrière tourne cette fois-ci. Donc merci Adrian Leon de me l'avoir signalé.